Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et à ceux qui sont juste de passage. J'espère que vous avez eu un bon week-end et êtes en forme pour la semaine qui commence. La carte message d'aujourd'hui mise à disposition pour une méditation est la carte Yiking divinatoire numéro 25 qui s'appelle l'honnêteté. Alors, j'explique pour les nouveaux abonnés pourquoi cette carte message. Et donc, je conseille, avant d'aller plus loin, de chercher, donc, si vous avez une question, jusqu'à la fin de l'explication, puisque après, je vais faire la lecture de cette carte. Alors, d'abord, il n'y a aucune obligation de faire cette méditation, bien sûr. C'est juste une possibilité avec un nouveau support que je demande à chaque fois à mes guides et qui est en lien avec l'événement zodiacal du jour. C'est une carte avec trois niveaux de réponse. Le premier niveau est une réponse directe. Le deuxième niveau correspond au conseil concernant cette question sur la direction à prendre. Et le troisième niveau, comment avancer et agir efficacement. Alors, il faut prendre le niveau de réponse qui résonne avec vous dans le moment présent, mais vous pouvez choisir de prendre la carte dans sa globalité. Pas vraiment de règles en fait à part celle que vous adopterez pour vous. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé une question. S'il n'y a pas de question, comme je viens de le dire, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, vous pouvez prendre la carte dans sa globalité sans question. L'important, c'est de capter le message qui est pour vous. Donc, je fais la lecture de cette carte. Numéro 25, l'honnêteté. Premier niveau. Laissez les graines se développer librement. Deuxième niveau. Le tonnerre apparaît dans le ciel et réveille les myriades de créatures, les emplissant de vitalité. C'est le bon moment pour cultiver la terre, mais évitez d'aller trop vite. On ne peut forcer le rythme de la croissance. Troisième niveau, une déconvenue peut intervenir, mais si vous vous conformez au principe juste, ce problème se résoudra de lui-même et votre récolte sera abondante. Voilà, c'était le dernier niveau et donc la lecture de cette carte est terminée. Quelques petites infos supplémentaires avant de commencer la lecture de la chronique du dernier quartier du 21 octobre 2019. Alors, sur la dernière vidéo, j'avais prévenu, comme je le fais maintenant, qu'il y a au cours de la lecture une coupure musicale. Et il y a un « oups ». Puisque sur la dernière vidéo, la coupure musicale n'a pas été mise. Alors il faut dire que la dernière vidéo a eu beaucoup de mal, enfin j'ai eu beaucoup de mal à la faire. J'ai eu beaucoup d'ennuis techniques. C'est juste amusant puisque j'ai recommencé je crois au moins 5 à 6 fois et... Quand j'avais presque terminé de faire le transfert sur YouTube, c'est carrément l'immeuble qui s'est entièrement déconnecté au niveau électricité. Donc il a fallu que je recommence à zéro pratiquement. Donc ça m'amuse beaucoup, mais ça m'a demandé vraiment beaucoup, beaucoup de temps alors que normalement ça n'aurait pas dû.
Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, tout va très bien se passer. J'en suis qu'à l'enregistrement. Et voilà. Rien de grave. C'est drôle, c'est tout. Donc le titre de la chronique est Obsolescence. Dans ce thème universel du dernier quartier du 21 octobre 2019, l'axe du dragon se présente dans le sens inverse de celui de la pleine lune du 13 octobre dernier. Ce que nous avons expérimenté à l'angle du descendant se retrouve à l'ascendant et vice-versa, ce qui signifie que nous allons faire nos premiers pas, pardon, sans les handicaps, entre guillemets, moraux, psychologiques, les formatages sociaux. Alors, comme par exemple, juste pour illustrer ce que je viens de dire, un groupe d'orientation quelconque, avec des intérêts communs quelconques aussi, qui compte ou qui a compté dans votre vie, un collectif familial, amical, un couple, avec une union donc sentimentale, mais aussi un partenaire, un associé d'affaires. L'origine de cette conséquence peut être une question d'autorité, d'éducation, d'enseignement, d'abus de pouvoir, un manque ou mauvaise estime de soi ou surestime de soi, etc., etc. Et même si on sait, et même si on voit, et même si on sent ce que l'on doit faire, surtout depuis la pleine lune du 13 octobre dernier, les circonstances au moment du constat ne sont pas forcément faciles à modifier. Entre parenthèses, au vu du contexte zodiacal, et puis sur un thème individuel avec les diverses combinaisons possibles. Nous avons peut-être été exposés à différentes formes de pouvoir, de blocage, de panne matérielle, de voies de communication ou de moyens d'expression qui retardent la mise en place des changements nécessaires. Peut-être avons-nous été mis à l'écart, rejetés ou exclus d'un groupe par quelqu'un. Ce sont les fondements, les structures de fonctionnement devenues trop rigides pour nous qui limitent notre expansion. On se sent comme brisé de l'intérieur, comme une vitre, vous savez, comme une vitre brisée qui n'a pas encore éclaté, hein, elle est sur le point d'éclater, mais voilà. Dans la pratique, nous allons dans un domaine particulier, vers quelque chose qui se rapproche ou matche vraiment avec notre vocation versus l'activité nécessaire à la survie, par exemple, pour ceux qui le peuvent. Cela peut être quelqu'un qui décide d'entrer dans une communauté, une institution, un collectif, qui lui apporte le sentiment de sécurité et de protection dont il a besoin pour être bien dans sa vie. Je pense à une personne qui ne trouve pas dans le cercle familial ce type de confort. On peut être orphelin ou se sentir orphelin dans sa propre famille. On a alors besoin de trouver un cadre pour se construire dans un milieu structuré et aidant. J'en reviens maintenant à nos premiers pas sur les handicaps accumulés au cours des années ou vies antérieures que nous avons accepté de quitter, de nous défaire ou dont nous sommes en train de dénouer les liens, de peur, de colère, de rancune, de dépendance et ou codépendance, de possessivité
affective, d'autorité et de contrôle sur ou par autrui. Entre parenthèses, un système de fonctionnement ou une personne. Donc je continue. De compassion abusive, donc entre parenthèses, c'est un attachement déguisé, un enfermement, une dépendance et contrôle d'autrui, etc. Ainsi, je parlais dans ce précédent article de notre possibilité d'incarner consciemment ces énergies de prise de conscience et de libération et de ressentir comment nous nous sentons dans ces vibrations. Dans ce dernier quartier, c'est en cours. Nous allons graduellement vivifier et apaiser notre corps émotionnel. Les mêmes aspects sextiles et trigones présents à l'ascendant, cette fois-ci, contribuent au nouveau modèle que nous pouvons dévoiler. Plus confiant, plus en possession de nos moyens psychologiques ou matériels. Pluton et Saturne, c'est prendre conscience de l'aspect tangible de nos échanges et de notre capacité d'échanger sur un plan plus élevé, révélé sur une image de nous plus conforme à notre réelle identité, soulagée des affres du passé. Ou encore, et entre parenthèses, et grâce à la stimulation par les aspects de la pleine lune du 13 octobre dernier, notamment, donc je referme la parenthèse, c'est extérioriser des capacités insoupçonnées mais latentes de la personnalité, de leadership, c'est user d'exigence, de discipline et de diplomatie parfaitement en situation appropriée. C'est développer un raisonnement pragmatique, une logique rationnelle, c'est avoir du sang-froid en situation délicate, notamment avec le carré à Mars. C'est savoir assumer une charge de responsabilité de façon inhabituelle. C'est une intuition aiguisée, une lucidité pointue, un calme intérieur surprenant, etc. Nous sommes donc à un point d'importance majeure de la transformation de notre être tangible et intangible. Mars est en T carré. C'est Mars qui tient les rênes du T carré de cet axe ascendant-descendant et les planètes qui s'y trouvent pour activer ces énergies. Ce que nous avons découvert aux environs du 13 octobre de la pleine lune dernier, au moment 2019, pardon, sur nous-mêmes, continue de s'éveiller, mais cette fois par le biais de la confrontation interrelationnelle. Il est vrai que les aspects rouges sont difficiles car ils obligent à naviguer dans des ambiances de pression, tension, de rapidité des actions et réactions selon les planètes à la manœuvre, mais ils nous donnent la possibilité de faire des bonds en avant. Nous avons à nous concentrer sur la vertu de la confrontation, de l'évaluation pour élaborer
une nouvelle stratégie. C'est en quelque sorte de l'inconfort pour intégrer un nouvel état d'esprit, une vision neuve de nos besoins. Par chance, nous aurons la formation ci-dessus, faite de sextile et trigone, plus le grand trigone, jusqu'à la fin de l'année. Au-delà des difficultés, nous avons la possibilité d'éviter les heurts et trouver là où les meilleures façons d'exprimer notre personnalité. Il y a beaucoup de satisfaction à recevoir au terme de ce challenge ouvert, challenge entre guillemets, puisque tout ce que nous allons récolter est vraiment pour nous. Donc il y a aussi l'opposition Lune-Pluton, des faits, des circonstances, des événements débattus en famille, donc c'est une opposition. Ce peut être la remise en question d'affaires familiales dues aux nombreux changements des derniers mois, ou bien des situations délicates où la parole et l'expression des émotions demandent de faire preuve de diplomatie, notamment avec des personnes vulnérables, pour ne pas les heurter ou les blesser davantage. Ou bien c'est nous qui sommes dans cette position. Tout dépend du cercle interrelationnel dans lequel on se trouve. Nous devons consumer certaines émotions très néfastes pour nous, nous extraire de situations conflictuelles, nébuleuses et ou d'attitudes improductives. Mais retenons que la plupart des événements complexes, nébuleux, éprouvants, révoltants, injustes, choquants, qui frappent les consciences, sont d'origine karmique, individuelle et collective, et que c'est à nous d'agir et de réagir de façon à alléger ces énergies lourdes que nous transportons et que nous devons nettoyer par nos actes et pensées. Tout est orchestré autour de thèmes et de problèmes que nous avons à dépasser, qui appartiennent au passé, et donc le nôtre est celui du collectif auquel nous appartenons, entre guillemets, à cause des alliances inconscientes. C'est pourquoi je mets entre guillemets. Ou bien dans lesquelles nous investissions beaucoup de notre énergie. Réinvestir dans le même type d'énergie pour la même situation n'est pas productif. Aussi, nous pouvons nous poser la question, ou les questions, qu'ai-je peur de perdre en changeant mon attitude? Quelle blessure j'entretiens en me comportant ainsi? Voilà, c'est terminé donc pour cette lecture de la chronique du dernier quartier du 21 octobre 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Les détails sont sous la vidéo ainsi que l'adresse de ma page Facebook qui est @cabinet.h.jenny37.
Sur cette page, je poste des enseignements de maîtres spirituels, je mets des références de livres que j'ai lus, des expériences personnelles, des messages donc de guides, des articles ou des livres par rapport au yoga, l'enseignement du yoga, la méditation. Voilà. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et puis vous abonner et même partager. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la nouvelle lune du 28 octobre 2019.